Actuping en direct de Lausanne avec Adrien Matenay. Alors Adrien, déjà merci de me permettre de faire une interview en français, c'est bien. Et bravo pour ce match, c'est dommage. Ça s'est pas joué à grand chose. Oui, bon, en fait c'est surtout au 5ème set, donc je mets 9-5 et j'ai une balle très favorable. Et donc je rate cette balle pour avoir 5 balles de suite de site. Je suis frustré, mais j'étais resté concentré pour pouvoir jouer derrière et rester stable. Et je crois que les points sont joués derrière, donc j'ai pas regretté derrière. Je perds 18-16 à la belle. J'ai bien servi, j'ai fait de bonnes variations. Donc c'est surtout sur une balle. Et c'est vrai qu'on peut se dire sur toutes les balles qu'il y a eu, se jouer là-dessus, c'est un peu spécial, mais c'est ça le haut niveau. C'est ça qui est chouette dans notre sport. Et globalement, donc, on peut quand même dire que tu as bien réussi ton tournoi. Oui, c'est un bilan très positif. J'étais venu ici vraiment pour jouer des matchs. Déjà, donc j'en ai joué 5 au maximum, surtout avec des matchs à enjeu et à pression. J'ai joué les meilleurs européens et surtout que j'ai développé un bon niveau de jeu. J'ai pris du plaisir à la table. Je pense que ça s'est vu. Je pense que j'étais épanoui et je pense que ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas vu comme ça. Et personnellement, moi, intérieurement, j'étais bien. Je pars content, même si je pars avec une défaite, je pars très content et j'espère que ça va continuer. Ok, on a des chances de voir au championnat de France à la fin du mois. Oui, il y a de grandes chances. donc après, là, ça peut être la même parce que c'est moi, je suis numéro 1, là, c'était l'inverse, j'étais le dernier. On va développer encore un bon niveau de jeu, puis on verra ce que ça donne. Hein, le sport nous dira, et c'est le ping-pong. Eh bien, merci beaucoup, Adrien. Voilà.